Bonjour à tous et bonjour à toutes les Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021. Alors allons-y, quelles sont les énergies pour cette première quinzaine du mois de juillet? Donc tout le mois de juillet, l'énergie principale qui va vous accompagner, et ce du 1er au 31, c'est l'élévation, la construction. Donc il y a de la hauteur à prendre sur des situations et il y a de la concrétisation qui est là, hein, puisque ça demande de la construction, ça demande à concrétiser. Alors, on met des premières pierres à un édifice. Alors, 2, 4, 6 et un 7. Ben, parfait. On a le bon nombre de cartes. Voilà. Donc voilà, on est parti pour les Gémeaux. Ça y est. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette première quinzaine du mois de juillet? La découverte. Donc, partir à la découverte de situations, peut-être des informations qui arrivent vers vous. Peut-être que certaines informations, vous avez été cachées. Ou alors, vous voyez, c'est un petit peu comme le voile qu'on vous met devant les yeux ou des nuages. Et puis, ben, on enlève ce voile. Les choses deviennent moins nuageuses, donc deviennent beaucoup plus claires. Et donc, vous avez peut-être des vérités hein, qui vous arrivent. Hein. Quelles que soient ces vérités, en tout cas, c'est beau. Ça vous fait du bien. Ça vous permet de porter un regard un petit peu plus neuf sur les situations, peut-être. Ouais. Et de pouvoir surtout en discuter. Donc, peut-être que vous étiez bloqué par rapport à des situations sur lesquelles vous n'aviez pas toutes les informations. Mais quand on vous révèle et quand vous voyez toutes les informations qui arrivent, ça vous permet de poser un regard beaucoup plus doux sur la situation et de pouvoir commencer à en discuter. Hein. À ce moment-là, bah, y a des messages qui arrivent, vous écrivez des messages, hein, parce qu'avec ce retour de communication, une reprise de communication, peut-être que vous voulez construire quelque chose et vous découvrez une information. Hein, et à ce moment-là, bah, vous en parlez, vous faites une demande et puis bah, on vous répond. Une personne qui a du charisme, une personne, vous voyez, qui passe pas inaperçu. Peut-être que c'est un chef, peut-être que c'est un patron, peut-être que c'est un père. En tout cas, c'est une personne qui est bien dans ses baskets, hein, qui vous répond hein, ou qui communique avec vous. Hein. D'accord? Vous allez communiquer sur la famille, vous allez communiquer sur la construction. Avec cette découverte, peut-être que vous allez discuter avec une personne et lui écrire afin de lui dire ce que vous avez découvert. Hein. Découvert sur la famille, découvert sur vous, découvert sur vos passions, découvert sur ce que vous voulez. D'accord? Et ce que vous voulez, vous, c'est vraiment une construction. C'est vraiment vous élever. D'accord? La carte de synthèse, c'est l'infortune, la carte de synthèse. Ça veut dire que vous êtes resté figé un moment sur une situation sur laquelle vous n'arriviez pas à avancer, mais parce qu'il y a des choses qui vous étaient cachées. Il y a des choses que vous ne saviez pas. Et avec cette découverte, eh ben, du coup, vous mettez une action pour communiquer sur ce que vous avez découvert, sur ce que vous savez. Hein. Peut-être que c'est vous, hein, cet appui, cette personne. Mais après, l'appui, c'est souvent une personne extérieure qui a toujours été là pour vous appuyer, qui a toujours été là pour vous aider. Comme je vous dis, ça peut être un père, ça peut être un ami, une ou un meilleur ami. Ça peut être un chef hein, aussi qui vous aide. Quoi qu'il en soit, cette situation vous permettra de construire hein, et de vous élever. Donc, c'est très, très sain hein, pour vous les Gémeaux. Allez, quels sont les messages que vous pourriez avoir pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021, les Gémeaux? On vous dit d'aller vers ce que vous aimez hein, avec la beauté. C'est libérez-vous et laissez-vous aller à ce que vous aimez. C'est hyper, hyper, hyper important. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages pour vous, les Gémeaux, s'il vous plaît? Pas me donner le message, mais c'est parce que voilà. Ok. Donc, dans une situation où on vous dit qu'il y a eu une chance qui a été là, hein, que vous avez prise, la chance, ça
ça a été d'être avec une personne étrangère ou de partir à l'étranger. Que même si vous culpabilisez aujourd'hui de cette situation, on vous l'a quand même amené dans votre vie comme une chance. D'accord? On vous parle d'une action et l'action, c'est d'aller vers quelque chose qui vous met en paix, qui vous apaise. Hein. Ce qui vous appelle, c'est le désir et puis ben, la sexualité apparemment. Donc on vous dit qu'il y a un compromis sur la sexualité. Donc certainement, vous allez mettre une action pour apaiser les choses avec une personne. Une personne que apparemment avec qui vous avez de la sexualité ou avec qui vous voulez une forme d'intimité. Plus que la sexualité, ça peut nous parler d'intimité. D'accord? Si c'est dans le domaine affectif. Et on nous dit qu'il y aura un compromis. Ok? Si c'est dans le domaine professionnel, il se peut que vous culpabilisiez parce que vous avez une opportunité à l'étranger. Ok? Et que vous allez trouver un compromis entre votre voie professionnelle et puis votre intimité. Donc les personnes, vous allez arriver à trouver un compromis, d'accord? Mais pour ça, il faut y mettre une action, c'est-à-dire il faut en discuter. Il faut retrouver un juste équilibre. Hein. Alors maintenant, quelles sont les situations qui arrivent vers les Gémeaux pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021? Quelles sont les énergies qui, pardon, les situations qui vont entourer, accompagner le Gémeaux? Il y a une transformation, il y a quelque chose dans vos énergies, il y a quelque chose autour de vous qui est en train de se transformer, hein. Donc du coup, ça peut amener de l'apaisement, ça peut amener des compromis, ou ça peut amener des situations compliquées aussi, hein, parce que la transformation, elle peut être ou positive ou négative. C'est-à-dire que quand on se transforme, on peut ne plus être en adéquation avec les personnes autour de soi. Ça, c'est possible aussi, hein. Donc on parle d'une transformation, d'accord? Et la transformation vous amène à faire un choix. Un choix sur plusieurs chemins qui vous sont proposés. Hein. Et je pense que vous êtes à un tournant de votre vie, vous êtes, comment on appelle ça, à un rond-point, hein, à une intersection, à un rond-point de votre vie. Et du coup, il va falloir faire un choix par rapport à une personne qui a un côté masculin développé ou par rapport à vous, si vous êtes un homme. Vous allez, vous, messieurs, faire un choix, d'accord? Parce que vous vous êtes transformé, parce que vous voulez autre chose dans votre vie, ok? Aujourd'hui, vous avez envie d'emprunter une nouvelle route. D'accord, qui amène plus d'indépendance. Il va falloir être beaucoup plus à l'écoute de vous, d'accord. Et si vous êtes à l'écoute de vous, ben, vous allez pouvoir accéder à des cadeaux professionnels, à des cadeaux sur lesquels vous allez pouvoir travailler votre indépendance, être plus indépendant, couper le cordon ombilical pour tous ces messieurs qui sont encore trop attachés à la famille. Parce qu'il est important de trouver son indépendance, hein, pour pouvoir aller vers ce qui vous convient, messieurs. Et puis pour vous, mesdames, eh ben peut-être que c'est un messieur qui arrive vers vous, un messieur qui est en train de se transformer, qui est en train de faire des choix, qui est en train d'apprendre à s'écouter, hein. Et on vous dit c'est cadeau le fait de pouvoir s'entendre et s'écouter. Peut-être que cette personne était très, comment on dit? Vous voyez, on peut la faire changer d'avis là. Je ne sais plus comment on dit. Mais vous savez, zut, manipulable, oui, ce n'était pas le mot, mais ça peut être aussi ça. Influençable, voilà. Cette personne était extrêmement influençable et très mal influencée, puisque de toute façon, une influence ne peut pas être bonne, puisque l'influence des autres vous amène vers ce que eux, ils souhaitent. Et l'important, c'est d'aller vers ce que nous souhaitons. Donc, cette personne va aller vers ce qu'elle, elle souhaite. Et du coup, elle revient à vous beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus indépendante. Elle a travaillé sur elle. Et on vous dit, c'est cadeau. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le Gémeaux pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021? Hop, 3, 2, plus qu'une. Et on va être bien. Bon, ben elle a décidé de sauter et donc du coup de tomber. Alors, je suis désolée parce que des fois je mets du temps parce que les cartes elles glissent. Celles-ci surtout elles sont hyper 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 glissantes. Donc si j'arrive pas
à les caler comme il faut, j'ai du mal à les prendre. Donc ça peut mettre un petit peu de temps. Mais bon, j'espère que vous n'êtes pas pressé, hein. Ne regardez pas ces vidéos si vous êtes pressé, même si j'essaye de vous faire des petites vidéos, hein. Donc de 10 minutes, 2 fois 10 minutes, bah, ça fait une vidéo de 20 minutes pour le mois de juillet, enfin pour chaque mois d'ailleurs. Mais prenez au moins ce temps-là pour vous, hein. Puis il est important de prendre 20 minutes par jour pour soi, hein. C'est extrêmement important ça. Sachez-le. Allez. Dans cette situation, bon, on me parle d'un couple qui se met en on-off. Pourquoi? Parce que cette relation, ce couple, a beaucoup, beaucoup d'épreuves. Du coup, ben, un jour je t'aime, moi non plus, on se dispute, on se remet ensemble, etc. Et puis on me dit que les épreuves sont nécessaires avant de passer à un niveau supérieur. Donc ça parle de déménagement, on parle que les choses bougent et avancent, qu'on vous a envoyé toutes ces épreuves afin d'apprendre à vous connaître. Ça n'a peut-être pas été simple, mais ça va vous permettre de vous installer, hein. Ici, on parle d'un message envoyé à une personne rusée ou parce que vous êtes une personne rusée et on vous dit non. Non à la ruse, peut-être. Si vous devez envoyer un message à quelqu'un, on vous dit de ne pas être rusé, mais plutôt d'être authentique. D'accord? Parce que la ruse et non, c'est surtout ça. Ne soyez pas rusé. D'accord? N'essayez pas d'écrire à une personne pour obtenir quelque chose. Essayez d'écrire à une personne uniquement pour vous libérer. C'est un conseil. Ici, on vous parle d'une période de détachement pour un amour qui était passionnant et envoûtant. Et on vous dit qu'il y a un temps de rééquilibrage. Il y a un temps peut-être pour se réaligner, pour se réancrer, hein. Donc peut-être un petit moment de détachement dans cet amour, le temps que tout le monde se rééquilibre. Ici, on nous parle d'une relation on-off, d'accord, et que vous envoyez un message ou qu'une personne vous envoie un message pour vous dire qu'il s'est libéré, qu'il a laissé des choses derrière lui. Ici, on nous parle d'une épreuve pour une personne rusée et que l'épreuve, eh ben, c'est un amour envoûtant et passionnant, quelqu'un qui va un peu vous obliger à rester et à devenir authentique. Et ici, on vous parle d'un déménagement et on vous dit non, pas pour tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est le temps de se rééquilibrer, hein. Quand vous serez bien dans vos baskets, très équilibré, on vous apportera ce changement, hein, et puis de faire avancer cette relation. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce début juillet, donc cette première quinzaine de juillet. Quels sont maintenant les conseils, enfin, les messages aussi, parce qu'il n'y a pas que des conseils. Donc là on parle du contact hein, pour vous les Gémeaux, et puis j'en aurais au moins aimé un deuxième, voilà. Et on parle de quelque chose de magnifique. Contact et soudain. Une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet 2021, les Gémeaux. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.